Il y avait déjà plusieurs années que la comète était entrée en collision avec la Terre, créant un gigantesque nuage de poussière qui ne laissait plus pénétrer la précieuse lumière du Soleil. Le virus inconnu se propageait partout sur la planète, décimant les populations. Les gouvernements n'arrivaient plus à maintenir l'ordre. Les rues des villes étaient devenues des zones de combat, et le désespoir régnait en maître. C'est pas lui qui va empocher la prime. Tu ferais mieux de nous le laisser, amigo. 3 contre 1, ça me paraît pas très juste. Juste pour qui ? Roland Cheney, on t'a pas vu dans le coin depuis l'accident. Une terrible tragédie. Alors, dernière nouvelle, tu étais... Tu te souviens pas de moi, hein? Je jouais au baseball avec ton frère, mais il y a déjà bien longtemps. Comment va mon frère? Un neveu? J'en sais rien. Et il y a 2 mois, il a été choisi par le conseil d'urgence pour une sorte de recherche médicale. Où tu as acheté tes sandwichs préférés à l'époque, tu te rappelles? Hélas, trop bien. Qu'est devenue la maison de tes parents? On a eu du beau temps là-bas, non? Une maison, ça me manque, Oliver. Oui, je sais. Une fois dans la zone sûre, on pourra oublier tout ça. Et refaire nos vies. Peut-être fonder une famille.
Chez nous, c'est la coutume de payer 10% de frais de service. Pourquoi ça? Pour un service courtois. Et si le service est pourri? Alors là, tu adresses une plainte et tu l'expédies à la direction. C'est-à-dire à qui exactement? Au gars qui est devant toi. Attention, Thierry! Mort ou vivant, Letter Ray, $50,000. Tu te souviens de ce petit salaud qui foutait le feu à l'école? Aujourd'hui, c'est lui le plus grand caïd du coin. Lui et sa bande logent dans l'ancienne mission espagnole. C'est ce fumier qui a le monopole de l'essence en ville. Il n'y a rien qui change. Tu vas pas essayer de l'attraper, Roland? Les trois derniers qui ont essayé se sont retrouvés avec une balle dans le crâne. Je tâcherai d'y penser. Hé, hey, professeur, vous avez l'heure? À ma montre, il est 2 heures. Du jour ou de la nuit? Comment voulez-vous que je le sache? Rien qui vaille la peine là-dedans. J'ai des yeux, je vois bien. Venez. Oh, s'il vous plaît, aidez-moi. Alors, vous avez le choix d'ouvrir la porte et de vivre ou on la fait sauter et vous mourrez à coup sûr, hein? Ouvrez la porte. Salut.
plaît, ne me tuez pas. Ne me tuez pas, je vous en prie. Approche. Vous allez me tuer, je le sais. Comment tu le trouves? Pathétique. Je le descends maintenant, tu veux? Un peu de charité, Tibone. Tu veux? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? C'est quoi ton nom, bordel? C'est Victor. Victor, je sais que tu as peur, mais si tu cesses de pleurnicher que tu sors de là immédiatement, alors je t'assure. Je t'assure que je ne vais pas te tuer. C'est vrai. Je te promets, je te donne ma parole. Allez, viens par ici, Victor, approche. D'accord, d'accord. Il faut qu'on s'éloigne d'ici. Viens, allons-y. Maintenant, écoute, j'aimerais que tu me fournisses un inventaire complet de ce que vous transportez là-dedans. Hé hey, traînez ici. Oliver, que tu me blesses profondément. Et je sais à quoi tu songes. Tu te dis, si seulement il me restait encore une balle, ce salopard la prendrait entre les deux yeux. Non? Je vais t'en donner l'occasion. Tu te rappelles le petit jeu auquel on jouait autrefois avec Roland? Avec des pistolets et des cartouches de peinture. Aujourd'hui, on n'est plus des gamins. Cette fois, on joue pour vrai.
tuer maintenant. Chaque chose en son temps, Tibone. Je veux tout savoir. Je comprends, Victor. Parce que je ne vois pas de vie, je ne vois pas d'essence et je ne vois pas non plus d'armes à feu. On transportait des gens. Et pourquoi faire? Des civils. Et qu'est-ce qu'ils avaient de si important, ces civils? Le conseil d'urgence a trouvé un moyen d'enrayer la peste. Fini des conneries. Mais non. Des histoires. C'est vrai. Ici, c'était porteur d'anticorps positifs contre la peste. On voulait se servir d'eux pour créer un vaccin. Un vaccin pour enrayer l'épidémie qui fait rage. Tu te fous de nous? Tibone, j'essaie d'avoir une conversation avec ce monsieur. S'il te plaît. Excuse-moi. Tu essaies de me dire que je viens de tuer les 6 dernières personnes qui auraient pu sauver cette misérable planète de la peste. Oui. Cette conversation est finie. Non, attendez, ta fille. Celle qui s'est enfuie. Elle pourrait avoir l'anticorps. Mais tu n'en es pas certain. Je ne suis que technicien, mais je pourrais le savoir. On leur a tous injecté des cellules de pistage et il y a un moniteur à l'arrière du camion. Mais la génératrice est en panne. Avec du courant, je pourrais en être sûr. Du courant, ça peut s'arranger. Il faut à tout prix retrouver cette garce. Et je la veux en vie. En vie, Thibault. Wilbur, vous avez des caches sur vous, j'espère. Merci. D'abord, j'aimerais vous féliciter pour votre style. Et ensuite, vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. Il n'est pas à vendre. Absolument certain. J'ai besoin de munitions. Je mentirais si je vous disais que je ne suis pas déçu. Alors, qu'est-ce que vous voulez? J'ai de la chevrotine, des balles traçantes, des balles d'homme-d'homme, un pointe d'acier ou perforante. Un pointe d'acier. Alors, ça va, Mac? Dove, surtout pas de bagarre, hein? Compte sur nous. On cherche une fille. Pantalon rouge, cheveux blonds, joli nichon assez grande. Je crois pas l'avoir vue. T'as pas d'objection à ce qu'on jette un coup d'œil? Non. Bien. Si jamais il y a quoi que ce soit dont vous ayez besoin, et je dis bien quoi que ce soit, vous n'avez qu'à vous adresser à Wilbur. Je suis votre homme. Tu es déjà mort.
Il va falloir que je te tue de nouveau. Comment ça, je suis déjà mort. Little Rick a abattu. Enfin, ton frère. Où et quand? Il y a environ une heure. Où ça? 5e avenue, dans la zone industrielle. Victor. Car sinon, je vais devoir laisser Tibone te faire beaucoup souffrir. C'est clair? Alors, je ne vois rien encore. Tu m'as dit qu'il y avait 6 porteurs. Où sont-ils? Si les porteurs sont morts, les cellules de piscage sont détruites. Je le tue maintenant, patron. Attendez! Je capte le signal en direction sud, sud-ouest. Mais dis-moi! Je ne comprends pas. C'est trop petit pour être une personne, mais c'est nettement un porteur d'anticorps. Et il se déplace, regardez. La salope est enceinte. Thibault, la salope est enceinte. Christine Cheney, il n'y a rien là-dedans qui dit qu'elle est enceinte. C'est parce qu'elle n'en sait rien encore. Moi, si.
qui êtes-vous? Qu'est-ce que... J'ignorais qu'Oliver était marié. Vous serrez trop fort, vous me faites mal. Désolé. Rendez-moi cet arme. Qu'allez-vous en faire? Oliver a été tué. Oui, je sais. Je viens de l'enterrer. Je vais tuer l'homme qui fait ça. Oh non, pas question. C'est mon affaire. Écoutez-moi, Justine. Il faut vous calmer. Non, vous laissez-vous tranquille. Et je vous interdis de me toucher. Attrapez la fille. Se dirige-t-il dans le sens opposé à nous? Imbécile. Peut-être que c'est trouver une voiture. Ou que quelqu'un l'a conduit. Little Ray, Jake a quelque chose à te dire. Eh bien, j'écoute. Patron, on est allé au bar, comme vous aviez dit, et... Et alors? Ils sont tombés sur Roland Cheney. Roland Cheney. Que le monde est petit, n'est-ce pas? Je parie qu'elle est avec lui. Apparemment, c'est un chasseur de primes, un champion de métier. Il a tué Duff, Carrick et Cleon. Jake me laisse entendre que ce serait un vrai dur à cuire comme ils en fait plus. Jake... Qu'est-ce qui a fait qu'il t'ait laissé la vie sauve? Hein? Est-ce parce que tu n'es rien d'autre qu'un petit fou, ça? Tu veux que je le tue maintenant, Ray? Non. On va lui donner une autre chance. Mais si tu ne ramènes pas cette garce en vie, alors ne reviens pas. Alors, les types à la maison tout à l'heure, ils vous croient porteuse du gène? C'était Oliver, pas moi. Il y a quelques mois, un chercheur virologiste a découvert un gène immunitaire contre le virus. Il s'est basé sur des tests sanguins expérimentaux faits il y a 15 ans déjà. Et en 15 ans, la plupart des sujets sont morts. Après le dépistage des personnes qui possédaient l'anticorps, il n'en restait plus que 6. 6 porteurs. Oliver était l'un d'eux. Maintenant, il n'y a plus d'espoir. Plus de soleil. Plus de vie. Regardez. Ils sont déjà morts, sauf qu'ils ne le savent pas. Bientôt, on sera tous comme eux. Ah.
Alors, Roland, qu'avez-vous fait depuis 6 ans? Pas grand-chose. Essayer de survivre comme tout le monde. Chasseur de primes, pour vous, c'est pas grand-chose? On a entendu parler de ce que vous faisiez. Écoutez, je vais vous tuer, les tuer pour moi. Je double la prime. C'est tout l'argent qu'on a mis de côté. On voulait s'acheter une ferme. Je voulais faire la culture des champignons. Ils n'ont pas besoin de soleil. Pour qui me prenez-vous? C'était mon frère, en fin de compte. Je ne veux pas de votre argent. Qu'est-ce que vous voulez, mes sympathies? Vous n'étiez pas un frère pour Oliver. Et vous n'étiez sûrement pas un fils pour vos parents. Quelque chose. Vous savez pourquoi je suis revenu? Non, je n'en sais rien, dites-moi.
pour me réconcilier avec Oliver. C'est un peu trop tard, vous ne trouvez pas? Ben allons-y. Mais où ça? Le bar est fermé, cowboy. Je viens parler affaires. Ne me dites pas que vous avez épuisé toutes les munitions que je vous ai vendues? Non, pas encore. En fait, je me demandais si vous aviez un véhicule à vendre. Eh bien, justement, j'en ai un. J'ai un buggy à moteur 8 cylindres surcomprimé, à suspension indépendante, système de frein ABS avec réservoir à essence long parcours, navigateur automatique. Combien? Une machine de ce genre, c'est rare. J'ai dit combien? Le gars demande 20 000 dollars. Mais je pourrais le faire baisser à 17 vu le fait que j'aime votre style. J'en ai 12 000. J'ai peur qu'on ait un problème. Je paierai la différence. Non, plus tard. Quand on fait affaire avec Wilbur, c'est payable à la livraison, c'est l'usage. Ça peut prendre un moment. C'est-à-dire? 3 ou 4 heures. Le vendeur habite près de l'ancienne raffinerie. J'attendrai. Alors, il faudrait que je dorme un peu, je suis exténué. Aucun problème. J'ai une chambre disponible là-haut à l'étage. Je vous ferai même monter de l'eau pour vous rafraîchir. À titre gratuit. Merci. Très aimable à vous. De ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne voulais pas être aussi dur. Vous n'avez pas raté votre coup. Je suis désolée. Écoutez, je sais que vous pensez ce que vous avez dit, mais je ne vous blâme pas. Allez-y, prenez mon nom. Vous n'en voulez pas? Non, ça va. C'est gentil. Faites ce que vous avez à faire. Vous avez un bien joli dos. Merci. Pardon. Je n'aurais pas dû dire ça. Ça va. C'est que... je n'ai pas vu une femme comme vous depuis longtemps. Vous aviez raison. Je ne connais rien à l'amour. C'est une chance qui s'apprend, vous savez. Il n'est jamais trop tard. Pour moi, il est toujours trop tard. Comme dans la voiture avec mes parents. J'ai vu le camion trop tard. Et avec Oliver,
La même chose. Je fais toujours tout trop tard. Qu'est-ce qui se passe? Éclairez-moi. Eh bien, il semble poireauter au même endroit depuis une demi-heure. Ah oui? Où ça? D'après ce que je peux voir, il pourrait être chez Wilbur. Eh bien, Oscar, dis-moi ce que je fous ici. Bonne nuit, Roland. J'ai l'impression que c'est le jour. Enfin, la nuit. Comment savoir? Wilbur a changé d'idée à propos de l'entente. Suivez-moi. Alors ça va, Roland? Depuis le temps. Ils sont partis! Jamais je ne te mentirai, tu sais. Ouais, je sais, mais je préfère m'en assurer. Excusez-moi de vous avoir dérangé, les filles. Vous pouvez regagner vos chambres. Où est-elle? Selon le système de pistage, elle est toujours sur les lieux. Tu as capté ça, Little Ray? Ouais, j'ai entendu. Trouvez-la-moi. Jenny ici. Merci. Roland, je sais qu'elle est ici, mais où au juste? Où est-elle? Qu'est-ce que tu lui veux? C'est moi qui pose la question. Où est-elle? Salaud! Ça fait du bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est toujours sur les lieux, hein? Le système de pistage est précis jusqu'à un rayon de 100 mètres. Tu as capté ça, Ray? Jimmy, Bozo, surveillez ce salopard.
pénurie d'essence. On fait quoi? Alors, on marche. Vous pouvez? Oui, ça va. Venez. Ignorez-les, continuez à marcher. Qu'est-ce qu'ils veulent? Continuez à marcher. À vous autres. Non, arrêtez! Que faites-vous ici? Nous allons à la zone sûre, doyen. Pourquoi avoir choisi ce chemin? Je ne suis pas venu en ville depuis très longtemps. Je ne connais plus les secteurs. Vous me pardonnerez d'avoir violé vos frontières. Ils ont des hommes. Prenons-les. Je connais cet aventurier. Il n'est pas de la bande de Little Ray. Il ne nous veut aucun mal. Nous allons lui livrer passage. Merci, doyen. Je n'ai pas dit que la femme pouvait passer. Nous avons beaucoup de malades ici. Elle pourrait nous être utile. Cette femme m'accompagne. Elle va où je vais. Même si tu dois pour cela risquer ta propre vie, je préférerais être tué plutôt que d'être séparé de cette femme. Ou bien tu es dément. Ou alors, tu es très brave. Parfois, je crois que je suis les deux. Laissez-les passer, tous les deux. Puisse la peste vous épargner, toi et tes proches. Merci. Comment se fait-il qu'après une si longue absence, il vous ait reconnu? Au début, après que la comète ait frappé. Les pilleurs ne vivaient pas dans des camps. Ils se déplaçaient de ville en ville selon le temps. Vous vous êtes connu quelque part? Oui, quelque part. Little Ray, ici T-Bone. Ils ont changé de cap, ils sont en direction nord-nord-est. Quelque part près du camp des pilleurs. Bon travail, T-Bone. Matériel. Scannez-la. Positif, capitaine. Hélicoptère en route. Attendez une minute, qu'est-ce qui se passe au juste? Après l'embuscade, on a perdu toute trace des six porteurs. Là, on allait interrompre la mission quand on a capté un signal presque indistinct sur notre système de pistage. Qu'est-ce que vous racontez? C'était mon mari qui était porteur du gène. Mes félicitations, Christine. Voilà qui explique Little Ray.
accident, je vais être oncle. Prenez soin de vous, Christine. Roland, vous venez avec moi. J'ai quelque chose d'autre à faire. Non, non, voyons. Appelle-le maintenant. Christine, je ne sais peut-être pas si c'est le jour ou la nuit, mais je sais que je dois abattre Little Ray. Je ne veux pas arriver trop tard cette fois. Vous comprenez? S'il vous plaît, montez à bord. Hé, faites vite! Allez, dépêchez-vous! Mission accomplie, capitaine! Bonne chance. Little Ray, il se passe quelque chose de bizarre. Elle se déplace à toute vitesse, tout droit en direction de la zone sûre. Comme si elle était... Elle est dans les airs. Elle est dans un hélicoptère, ma parole. Ouais, je le vois. Visez la queue de l'appareil, l'hélice arrière. Christine, je suis Little Ray. Je parie que tu mourrais d'envie de me rencontrer. Pour Little Ray maintenant. Beau travail, Little Ray. Je savais que vous réussiriez. On forme une sacrée équipe, hein? Ah ouais? Oui, bien sûr. Enfin, jamais vous ne l'auriez retrouvé sans moi. Je peux le tuer maintenant, Little Ray? Non. Je vais le faire moi-même. Alors, étranger, qu'est-ce qui te ramène dans ce lieu sans espoir? Je pense que nous avons un ennemi commun, doyen. Je vois la lueur du guerrier briller dans tes yeux. Je plains l'homme qui se trouvera sur ton chemin. Cet homme s'appelle Little Ray. Il ne faut pas trop t'en faire à cause du sang. Je vais demander à quelqu'un de nettoyer ça. Tu sais, c'est, comment dirais-je, assez plaisant d'avoir quelqu'un comme toi ici.
peu trop vilaine. Laissez-moi! On nous attaque, Little Ray! Qui ça, les flics? De frère quand je lui ai mis une balle dans le crâne. Oui, eh bien, j'ai hâte de voir la tienne quand ce sera ton tour. Roland ? Oui, quoi ? Je t'entends pas recharger ton arme. C'est drôle. Je t'entends pas le faire non plus. Intéressant, non? Écoute, qu'est-ce que tu dirais si on finissait ça comme des hommes? Comme tu veux.
que Little Ray est en train d'infliger une bonne leçon à quelqu'un. J'ai déjà eu une fille comme toi. Elle avait un plus gros nez. Pas que j'aime pas ton nez, au contraire. En fait, j'ai un faible pour les nez, tu vois. Je sais pas pourquoi. Que vous allez comme ça. Qu'est-ce que tu attends, Roland? Vas-y, vise bien entre les deux yeux. C'est ce que j'ai fait à ton frère, après tout. Alors, tout à coup, tu vas devenir sentimental. Juste parce que je suis plus armé. Jeu qu'on jouait quand on était enfant, Little Ray. Tu veux jouer encore? Pour la dernière fois. Mais tu me connais. C'est depuis toujours mon jeu préféré.